pour Salomon. Salomon qui s'infiltre dans la surface de réparation adverse. Salomon sur son bon pied. La frappe de Salomon. Attention à cet arrêt. Il y avait gros danger devant les buts de Petite Rivière Noire. Anyang, Martinet. C'était pour Jeannot finalement. Voilà, encore une fois, Antoine sollicité. Centre de Antoine. Stéphane Pierre. Désiré Patate qui lui aussi possède une bonne frappe. Désiré Patate, mais non, c'est Stéphane Pierre. Légèrement. Quelques secondes seulement avant la pause, Clarel Jackson trouve enfin la faille pour ouvrir le score. L'équipe vacoisienne pense déjà à renforcer davantage son équipe. Bon, nous apporte quelques changements aussi, moi pensais qu'il... Deuxième défaite en trois journées pour la Cure Sylvestre, qui peine à garder contact en haut du tableau. La S Vacua Phoenix, pour sa part, se reprend bien après sa défaite face à Petite. Wellwoman, the UK's number one vitamins for men and women. Live life well. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Pour avoir plus d'impact avec vos publicités, contactez SportFX. Change a look. Okay. Show me the style of art. Turn on the light. Show me relaxing images. Play my voice. Pas de position de hors-jeu. Le premier but de cette rencontre pour l'équipe de... Oublier le marquage sur l'attaquant port-louisien. Et c'est Chigozi qui ouvre le score ici au stade Angelé. 1-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Ils ne s'étaient pas procuré beaucoup d'occasions. Ils étaient même... On revoit cette action avec le tacle de Olas. Juste devant Achou, ce qui peut. Seul Razin est resté en pointe, coup franc et arrêt difficile, arrêt difficile. Et finalement, c'est but de jeu. Coup franc et Jubeau, lui, était à l'affût. 2-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City. Voilà une faute qui a eu de lourdes conséquences. Fin de ce match. Score final 2-0 pour l'équipe de Rochebois Bolton City ici à Bellevue face à l'équipe de Pamplemousse, l'équipe championne en titre.
c'est une occasion, une belle occasion de gâcher. Second poteau, Emmanuel Vincent qui remet dans l'axe. Et Coca qui arrive à marquer. Un ballon bien remisé par le capitaine Emmanuel Vincent. Plein axe. Là où il y avait plein de joueurs, plein de têtes. Mais c'est celle d'Ecoca qui a pu toucher le ballon pour le prolonger directement au fond des filets. Le week-end dernier, et là, il est une fois encore corner joué à deux. Samuel Bitté, le centre qui est parti, la tête d'Endam, la frappe d'Endam, ou la parade du gardien, mais qui est là pour marquer, Brandi Zizi. Mais Brandi Zizi a pu le donner à Endam dans la profondeur pour Ecoca qui y va, la frappe d'Ecoca, et Brandi Zizi pour assurer que le ballon franchit la ligne. Ça fait 3 à 0 pour la SPL 2000 et doublé pour le malgache Brandi Zizi à la 75e minute de la partie. Ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Cercle de Joachim. Coup de sifflet final de M. Imtiaz Iralal. Belle victoire pour la SPL 2000.